Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Marie. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 10 mai, la Sainte Église célèbre Saint Jean de la Croix, religieux, Carme, de 1542 à 1591. Écoutons la vie de Saint Jean de la Croix, une vie prédisposée par son Seigneur. Saint Jean de la Croix naquit près d'Avila en Espagne. Jouant un jour au bord d'un étang, il glissa au fond de l'eau. Une grande et belle dame vint lui offrir la main pour le sauver. « Non, dit l'enfant, vous êtes trop belle, ma main salirait la vôtre. » Alors un vieillard se présenta, marchant aussi dans l'eau, tendit son bâton à l'enfant et le ramena sur le bord. Une autre fois, il tomba dans un puits. On croyait l'y retrouver mort. Il était assis paisiblement. Une belle dame, dit-il, m'a reçu dans son manteau et m'a gardé. Ainsi Jean croisait sous le regard de Marie. Un jour qu'il priait notre Seigneur de lui faire connaître sa vocation, une voix intérieure lui dit « Tu entreras dans un ordre religieux dont tu relèveras la ferveur primitive. » Il avait 21 ans quand il entra au Carmel et dépassa de beaucoup tous ses frères tout en cachant ses œuvres extraordinaire. Il habitait un réduit obscur, mais dont la fenêtre donnait dans la chapelle en face du Saint-Sacrement. Il portait autour du corps une chaîne de fer hérissée de pointes et par-dessus cette chaîne, un vêtement étroit et serré composé de jonques enlacées par de gros nœuds. Ces disciplines étaient si cruelles que le sang jaillissait en abondance. Le sacerdoce ne fit que redoubler son désir de la perfection. Il songeait à s'ensevelir à la Chartreuse, quand Sainte Thérèse, éclairée de Dieu sur son mérite, lui confia ses projets de réforme du Carmel et l'engagea à se faire son auxiliaire. Jean se retira dans une maison étroite, pauvre, insuffisante, et commença seul un nouveau genre de vie conforme aux règles primitives de l'ordre du Carmel. Peu de jours après, il avait deux compagnons. La réforme était fondée. Ce ne fut pas sans tempête qu'elle se développa, car l'enfer sembla s'acharner contre elle, et tandis que le peuple vénérait Jean comme un saint, il eut à souffrir de la part de ceux qui auraient dû le seconder d'incroyables persécutions, les injures, les calomnies, jusqu'à la prison. Pour le consoler, Marie lui apparut et lui annonça sa délivrance prochaine. En effet,
Quelques jours après, il se trouva, sans savoir comment, au milieu de la ville de Tolède. Dieu le récompensa de ses épreuves par des extases fréquentes. Sainte Thérèse l'appelait un homme tout divin. Il écrivit des ouvrages spirituels d'une élévation sublime. Une colombe le suivait partout et une odeur suave s'exhalait de son corps. Au moment de sa mort, un globe de feu brillant comme un soleil entoura son corps. Le pape Pie XI l'a proclamé docteur de l'Église le 24 août 1926. À tous ceux qui portent le précieux prénom de Jean de la Croix, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour.